Encore une journée bien agitée dans le sud du pays avant un week-end qui devrait être beaucoup plus ensoleillé, mais plus froid également. On ne peut pas tout avoir, mais avant, en attendant, nous avons 7 départements en vigilance orange et toujours ce temps bien gris sur la capitale, mais des éclaircies sont prévues cet après-midi. Et donc ces 7 départements en vigilance orange dans le centre-est du pays pour de fortes pluies qui continuent, des pluies toujours soutenues vers les Alpes, donc ça crée un risque d'inondation et de crues, et puis un épisode de neige à basse altitude dans le centre-est qui peut créer donc des problèmes de circulation notamment. On va regarder tout ça dans le détail sur notre carte. Tout ceci est dû à cette perturbation que l'on avait hier et que l'on retrouve cet après-midi du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est, avec donc des pluies toujours soutenues notamment vers les Alpes. De la neige attendue donc en fin de journée à basse altitude, avec cette limite pluie-neige qui s'abaisse au fil des heures. À basse altitude parce qu'on parle de 500 mètres d'altitude pour les départements de la Loire, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et puis toujours ce risque d'avalanche très marqué sur les Alpes. Soyez extrêmement prudents si vous êtes dans le secteur. Et à l'arrière, regardez le soleil qui revient avec ses éclaircies qui devraient pointer le bout de leur nez au fil de l'après-midi. Côté température, eh bien c'est toujours assez froid sur une grande partie du pays. Pas plus de 1 petit degré à Lille, 3 à Paris, mais toujours 23 degrés tout de même sur l'île de Beauté. Regardons le programme de votre week-end. Je vous ai promis du soleil, eh bien, il sera au rendez-vous pour grand nombre d'entre vous. Du soleil, un temps lumineux, mais du vent très fort sur l'île de Beauté. À surveiller très près, dû au passage de la tempête Siro, des rafales jusqu'à 140-150 km/h sur les Cap Corse et des températures très froides, moins 3 degrés en moyenne pour le nord du pays. Demain et dimanche, moins 2, couvrez-vous bien samedi et dimanche matin quand vous sortirez faire votre petite promenade du week-end.